De tir de précision d'un même Picard face à Cindy Perrault. On salue ces championnes. On est là. Allez, c'est parti. Feu. Des deux finales, remise et puis pour les 10 challengers, 6 garçons, 4 filles. Oui, enfin, validé. C'est validé, 3 points. Deux par haut quand même hein, dans ce premier atelier, et Cindy qui a fait le plein, 14 à 10. Et ça démarre super fort hein, cette finale d'âme. Hein. J'en ai chapeau au bout. Mademoiselle Perrault, 14 à 10. Chose, le but d'abord donc 0, toujours 17-13 pour Sylvie.
Ça, c'était pas évident non plus à voir. Hein. Faut vraiment avoir le nez dessus parce que là.
effectivement, pourquoi vous s'est dit. Emma Picard mène 24 à 20 face à Sylvie Piron. Alors, ce quatrième atelier, la boule blanche défendue par une boule noire. À sauter. Ça compte également, ça rapporte 3 points. Le pavot a reculé dans la boule de défense, donc un seul point pour Emma. 26, 23, face à Sylvie. 26 à 23. Troisième distance. Quatrième appel. Deuxième carreau recul. 27-23. Mademoiselle Picard n'a pas tout à fait un but d'avance avant le tour au bouchon. Et moi, mais 30 à 26. 30 à 26.
Et là, quel atelier, quel quatrième atelier là, Emma a tapé 4 fois, dont 2 carreaux qui ont reculé dans la boule de défense, tandis que Cindy a tapé 2 fois la boule franche. 6 points chacune. Et Emma mène 30-26. C'est pas donné celle-là. 0. Jour, hein. 30-26, finale, plus que dire pour les championnes. Et c'est ça qui gagne la victoire de Magica qui s'impose, eh oui, Cindy ne pourra pas revenir, victoire 35-26 pour Emma Picard face à Cindy Perrault. Bravo les filles. Hein. Bravo, bravo. Et donc, finale des garçons.